Salut, salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Lee. On est bien sur Nickel, si je dis pas de bêtises. Hop, inventaire. Hop. Le tungstène. Ouais, non, le nickel, c'est ça. Ouais. On pourrait le faire au début, par exemple, sur les premières maps. Dès que vous voyez, par exemple, une météorite, vous allez faire la petite technique que je vais faire et vous pourrez avoir justement toutes ces matières premières qu'on a besoin pour les armures et les épées, etc. Ça va être très important pour l'évolution de vos sets d'armure, de vos armes, boucliers, armes à deux mains, etc. Donc ici, nous, on est sur le tungstène. Donc ça, c'est pour avoir le type légendaire. Donc comme ceci. Voilà. Le bleu, c'est le nickel. Et celui-ci, bien sûr, c'est le bronze. Ok. Donc ici, on va regarder dans l'inventaire. On est à 10 lingots de tungstène. Ok, je vais vous montrer où ça se passe sur la map. Alors il y a plusieurs points de map où on peut avoir du tungstène. Donc ici on est sur le Yamcher. Ok, donc ça se situe tout en bas du Wessex, juste à côté. Il faudra vous mettre juste ici à ce niveau-ci. C'est vraiment le point le plus important où il tombe à chaque fois en fait. Il spawn pas à plusieurs endroits, il spawn vraiment au même endroit à chaque fois. Donc ce sera juste ici, vous mettez un point de repère. Ok. Après vous pouvez avoir du tungstène ici, là, ici aussi, et ici plus haut, et ici. Ok. Si vous voulez d'autres vidéos sur le nickel et sur le bronze, pour ceux qui débutent le jeu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je ferai justement une vidéo pour avoir aussi le bronze et le nickel en illimité. Voilà. Ce qui va beaucoup vous aider pour les améliorations d'armure, comme je disais avant, pour les sets d'armure, épée, bouclier, épée à deux mains, dague, hache, lance, etc. Donc voilà, donc ici, on descend de son cheval. Voilà, on prend le tungstène. Voilà, on va regarder dans l'inventaire. Donc là, on doit être à 11 de tungstène. Alors je viens de le faire à 4 reprises, donc c'est bon, ça marche super bien. Donc voilà, si vous suivez vraiment toutes les étapes que je fais, ce sera bon. Ici, ce que vous allez faire, vous allez remonter un tout petit peu comme moi. Vous allez voir qu'il y a un camp beaucoup plus haut, un peu plus haut, pardon, ici sur la petite colline. C'est un petit camp d'éclaireur, il y a une tente. Voilà, il y aura deux ennemis à tuer si... Voilà. Juste ici, voilà. S'ils sont hostiles, vous les tuez. Moi, je les ai tués comme ça, voilà. Mais ici, on a, normalement, il y en a deux, mais ici, on en avait qu'un. Voilà. Alors ici, ce que vous allez faire, c'est flèche du bas, et vous allez méditer. Il n'y a pas besoin de ce déco, pas besoin de déco reco, rien du tout. C'est vraiment une super soluce, pour un glitch, soluce, comme vous voulez. Mais moi, je dirais plutôt une soluce, quoi. Alors, ici on va remonter sur le cheval et vous allez repartir à votre aise vers la fumée. Donc au point de repère en fait. Vous allez tout doucement. Donc normalement il va tomber ici. Voilà, il arrive. Boum. Vous voyez? Ouais, c'est parti. On le récupère. Alors on est bien sur la version 1.7, hein. Donc c'est la dernière version du jeu, enfin, qu'il y a pour l'instant. Je ne sais pas s'ils feront encore des mises à jour, mais c'est la dernière version, le dernier patch qu'ils ont fait, c'était la version 1.7. Donc voilà, là on l'a pris, on regarde dans l'inventaire. Voilà, là on est à 12 de tungstène. Ok, donc voilà, on a récupéré 2 lingots de tungstène en quoi, même pas 2 minutes quoi. Là, pour commencer la manip, on remonte vers le camp d'éclaireur un tout petit peu plus haut. S'il faut vous mettre un point de repère, mais normalement, voilà, comme vous allez prendre l'habitude. Franchement, il est très facile à faire. Voilà, flèche du bas, on médite.
Alors, à mon avis, c'est la nouvelle version du glitch ou d'astuce de lingot de tungstène. Parce qu'avant, je sais qu'il fallait partir d'un déploiement rapide, un autre déploiement, revenir, etc. Faire une déco-reco. Je sais qu'il y avait une technique avec une déco-reco, mais ici, vous voyez que pas besoin de faire une déco-reco. Suffit de s'éloigner un peu, de méditer et de revenir. Et on aura de nouveau la météorite qui va arriver. Voilà, elle arrive déjà. Et boum! Et on va rechercher le lingot de toxène. Alors si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker. Comme d'habitude, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, le petit commentaire qui fait plaisir, le petit abonnement qui vous prend 2 petites secondes. Allez, moi je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos sur Assassin's Creed Valhalla. Allez, c'était Oli. Bye bye. Ciao tout le monde. Toi qui as des razzias.